Yo, salut les gars, c'est Coquemana, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Alors c'est une vidéo de 4 minutes, je sais, mais c'est un condensé de clip vraiment pas mal qui va vous permettre de casser du temps facilement. Donc là, on a une quad feed au lanceur. Donc c'est vrai que le lanceur c'est une bonne arme, donc en assaut évidemment, faut jouer assaut si tu veux vraiment péter du tank. Le lanceur c'est vraiment pas mal puisque tu peux tirer de loin. La roquette ne descend pas trop, donc c'est simple d'utilisation. Tu peux tirer sur tous les véhicules, tu peux tirer aussi sur de l'infanterie. Donc c'est vraiment nickel pour casser du tank, tout simplement, en premier gadget en tout cas. La grenade je la conseille pas forcément. Alors pour l'infanterie ça va sur des maps type Forêt d'Argonne et tout, mais dans cette vidéo je vais me concentrer vraiment sur les véhicules. Donc pour les véhicules, quand tu jettes la grenade déjà, tu sais plus ou moins où le gars a acheté la grenade, donc le tank il va vite te repérer. Et ça va pas forcément atterrir pile poil sur le tank et faire un max de dégâts. Donc la grenade je la conseille pas du tout. Le plus important les gars c'est les mines. Les mines elles font super mal. Là vous avez vu un petit clip au lanceur. Bon, faut avoir un petit peu de chat quand même parce que le véhicule faut qu'il soit vraiment entamé. Lâchez que le tank va débouler. Hop, je tire la roquette, mais regardez bien dans la feed, c'est la mine qui l'a pété. Alors je vous conseille soit d'en mettre 3 au même endroit si vous êtes sûr à 100% que le tank va passer dans une petite allée. Et là il va se faire fumer. C'est dommage parce que je pense que j'avais pété un tank, j'avais dû faire une 6 feed. Mais je suis mort au même moment, donc dans la feed il n'y avait rien eu. Mais j'ai fait une boucherie, regardez là encore. Le véhicule, j'ai tiré une petite roquette. Il commence à se tailler, le mec il dit oh putain merde. Il se reprend une mine que j'avais posée juste avant. Donc c'est vraiment des clips qui montrent bien l'efficacité de la mine. C'est juste terrible. Et c'est pas beaucoup joué. Alors faut savoir aussi que la mine, vous en posez. Là vous êtes en vie, vous en posez 3, admettons, au drapeau D. Peu importe la map, hein, vous en posez 3 au drapeau D, vous mourrez, vous apparaissez. Vos mines vont rester au drapeau D si elles n'ont pas été pétées par des ennemis. Je pense pas que les alliés peuvent les péter. Là, une petite 5 filles de lanceur là, c'est vrai que j'ai eu pas mal de chats, je crois que c'était dans la même game en plus. Et donc vos mines restent en place, c'est important à savoir. Par contre si vous en reposez 3, vos mines précédentes vont disparaître et ça va être les 3 nouvelles qui vont rester en place. Alors là ce clip là il est vraiment pas mal. Vous allez voir, je pose 3 mines au même endroit là quasiment, hop. Je me taille, je sais qu'il y a un tank qui va arriver. Et regardez comment je vais la jouer. Hein. Le petit croquis, il est malin. Hein. Faut pas lui faire à l'envers. Hein. Même si les tanks ils sont abusés, attention. Hein. Avec les mines, vous les démontez, les gars. Vous les démontez. Et si vous arrivez à péter un tank, les gros tanks là, avec 6 mecs dedans, vous faites masse point. Masse point, masse point. Hop là, je vois que le tank il arrive là. Je me dis, allez, allez. Viens, mon coco. Viens sur les mines. Je sais pas s'il les a vus, mais hop, je tire sur les mines avec le lanceur. Ça crée une explosion énorme et puis ça pète le tank tout simplement. Et le dernier petit clip, ça va être 3 mines que je vais poser au même endroit, le char va reculer dessus et je vais tout casser. Voilà les gars, donc lâchez un max de j'aime, un max de com pour la vidéo. Comme ça je continue à faire des petites astuces comme ça sur Battlefield. Et une prochaine vidéo je pense que ça sera sur l'avion de chasse ou on verra. Allez les gars, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ciao, bye bye.